بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين أه بالنسبه لهذا لوكو هذا ديال لا بلانيفيكاسيون أه موجه للطلبه ديال الجامعه كليه العلوم أه الاقتصاديه السنه الاولى الدوره الثانيه هذا الكور دو ماناجمنت اللي في فيه واحد البروسيس عندنا واحد البروسيس دو ماناجمنت فيه كيلكو زيتاب La première étape c'est la planification. Moi, la planification, l'organisation. Après l'organisation, il y a la direction. Et le quatrième élément ou la quatrième étape du processus de management, nous avons le contrôle. Nous avons le contrôle. On va commencer par la planification. On va définir. Qu'est-ce que ça veut dire la planification? Quels sont les éléments de la planification? Quel est le processus de ce planification? On va commencer par définition et processus de planification. Le premier élément, c'est la définition du concept. Donc, c'est quoi le concept de planification? Avant de co commencer la définition, avant de donner la définition, donc, on va faire une étude sur l'étymologie du mot planification. L'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot Pardon à l'origine des termes planification on trouve le terme plan donc dans le mot planification il y a le plan qui vient du latin planus planus et qui renvoie à la notion de surface plane donc c'est une surface qui est plane c'est-à-dire horizontale le terme planification et le verbe planifier n'apparaissaient dans l'usage français que vers 1947-1949. Donc on n'utilisait pas le mot planification avant 1947. Donc l'usage de ce mot, de ce terme, a commencé dans l'usage dans français à partir de 1947-1949, au moment où Fayol, Henri Fayol, parler de prévoyance. La prévoyance vient du verbe prévoir, c'est-à-dire donner des informations qui concernent le futur. La planification et l'organisation selon un plan. Donc, il faut toujours utiliser un plan. Donc, le plan, dans un plan, il y a des étapes. C'est-à-dire l'organisation selon un ensemble de dispositions adoptées en vue. Donc, c'est quoi l'objectif de cette... Organisation de l'exécution d'un projet. Donc, qui des planifications des projets. Donc, on planifie dans des projets. Il s'agit d'un processus de fixation des objectifs. Donc, la planification, c'est un processus qui comporte un certain nombre d'étapes, un certain nombre d'éléments. Donc, c'est une chaîne. Donc, dans, la, dans ce processus, il y a d'abord la fixation des objectifs, de détermination des moyens et des ressources nécessaires pour les atteindre. Donc, on commence par fixer les objectifs et après déterminer les moyens et les ressources qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs et de définir des étapes. Donc, la troisième étape, c'est définir les étapes à mettre en œuvre pour les réaliser. C'est-à-dire pour réaliser ces, ces objectifs. Je répète les trois grandes étapes de la planification. On commence par la fixation des objectifs. Détermination des moyens et des, autres, des ressources qui sont nécessaires pour les atteindre et définir les étapes à mettre en œuvre pour les réaliser. Pour Akoff, euh, je cite une citation qui a été euh, relevée à, dans son ouvrage qui s'intitule Méthode de planification dans l'entreprise. C'est un ouvrage qui a été publié en 1970 dans la maison d'édition Les Organisations. Donc, Akov, qu'est-ce qu'elle a dit Je cite Planifier, c'est concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. Donc, il faut concevoir un futur. Donc, au regard des planifiés, ici, a une relation étroite avec le futur. Quand on parle de planification, on parle de futur on parle des projets. On parle des verbes prévoir des verbes concevoir. Et on parle en même temps des moyens qui permettent de parvenir à ce futur désiré. <coughs> Pardon donc, Je répète la citation. Dakov, planifier, c'est concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. Donc, l'opération de conception, de concevoir, donc, ça, c'est mental. Hein? Donc, on va voir dans notre mémoire, dans notre mental, le futur. Donc, c'est projeter dans le futur. La planification concerne donc tout autant les fins que les moyens. Donc la planification, elle concerne les fins, les fins, c'est-à-dire ici les objectifs, le but, ça concerne les buts, les objectifs, les fins, ainsi que les moyens qui permettent d'arriver à ces fins ou d'arriver à ces objectifs. Maintenant, on passe à la page 32. Elle concerne, donc la planification, elle concerne aussi bien le long terme que les actions à moyen terme et à court terme. Donc la planification concerne les trois termes, c'est-à-dire le long terme, le moyen terme et le court terme. La planification a pour objectif prioritaire l'élaboration d'un plan, c'est-à-dire le plan est moins important que l'action elle-même de la planification. Donc ce, ce qui est important, ce sont les, les actions, ce n'est pas le plan. Et il procure, c'est-à-dire la planification, il procure une orientation, limite l'impact des changements, réduit les pertes et les actions redondantes et fixe des normes pour le contrôle. Donc tout cela, c'est dans ce processus de planification. Donc la planification, l'objectif le, 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 prioritaire, c'est-à-dire la priorité n'est pas donnée au plan, n'est pas donnée à... La planification en elle-même, non. Donc l'objectif c'est s'orienter. Donc on va éliminer l'impact des changements. On va limiter, on va réduire l'influence des changements sur l'organisation et on va réduire les pertes. Donc parce que si on ne planifie pas, il y aura beaucoup de, de pertes. Et on va limiter les actions redondantes, les actions qui se répètent, les actions qui sont gratuites. Et on va fixer les normes pour, les, pour le contrôle. Donc, dans le processus de planification, il faut, il faut fi fixer les normes de contrôle. Toutefois, parmi les critiques adressées euh, à la planification, on peut avancer la création d'une certaine rigidité. Donc, c'est ça les limites. Donc, à chaque, chaque chose, il y a chaque invention, chaque création, il y a des, des avantages, il y a des limites. Parmi les limites de la planification, il y a cette création d'une certaine rigidité. C'est-à-dire les responsables, les managers, ils vont suivre à la lettre le plan. Donc ce qui va limiter, ce qui va réduire le côté créatif chez les, chez les, les acteurs. Donc les plans ne peuvent pas être conçus pour un environnement changeant, de même qu'ils ne peuvent pas remplacer la créativité et l'intuition du manager. Donc euh, la, euh, la planification va limiter cette créativité, cette intuition du manager et des autres euh, opérateurs. Maintenant, on va voir ce processus de planification. Après la définition des buts et des objectifs de l'entreprise, on a dit que la planification, ce processus commence d'abord par définir les objectifs, définir les buts et... Euh, de, les buts de l'entreprise. on effectue une analyse de son environnement. donc il faut analyser l'environnement pour savoir est- ce que ses objectifs vont être réalisés dans son, cet environnement qui est euh, tout, qui change sans cesse. Et de ses ressources. Donc, il faut analyser l'environnement et analyser les ressources de façon à faire coïnc coïncider les forces et les faiblesses internes avec les menaces et les opportunités externes. Donc, euh, concernant l'externe, concernant l'environnement, on parle des menaces et des opportunités. Mais quand on fait des analyses à l'intérieur de l'entreprise, on parle des points forts et des points faibles, c'est-à-dire les forces et les faiblesses. Donc après, on a dit, après la fixation des objectifs et les buts de l'entreprise, donc il faut analyser l'environnement et ses ressources. C'est-à-dire il faut coïncider, faire coïncider les forces et les faiblesses de l'entreprise avec les menaces et les opportunités euh, que représente l'environnement. Ensuite... On procède à la formulation et à l'évaluation d'options stratégiques. Maintenant, on passe à la stratégie, ce qui permet d'évaluer le plan stratégique qui représente les grandes orientations. Donc, il y a des plans stratégiques, il y a des plans opérationnels. La stratégie, c'est-à-dire qui concerne le long terme, c'est la stratégie du top management, stratégie qui a été fixée par la direction générale de l'entreprise. Donc, il faut coïncider, il faut faire coïncider et évaluer le plan stratégique qui représente les grandes orientations. Donc, il faut respecter les grandes orientations à long terme de l'entreprise en tenant compte de son environnement. Il faut toujours prendre en compte l'environnement qui change euh, toujours. Nous avons ici, Donc nous avons euh, sur la page 33, nous avons un schéma, euh, schéma du processus de planification. Il faut analyser, d'abord il faut fixer les objectifs, après analyser l'environnement, les contraintes et les opportunités, et analyser l'entreprise, c'est-à-dire faire des analyses en interne pour euh, savoir les points forts et les points faible de l'entreprise. Après, on passe à, au plan de l'étude de plan stratégique, le plan stratégique qui est fixé par, pour, par la direction. Après, on passe au plan opérationnel qui concerne les opérations et il faut mettre en place un budget, allouer des, des, des ressources et euh, fixer les, euh, c'est-à-dire les, les normes de, du contrôle. Maintenant, on va voir le plan opérationnel. Le plan opérationnel précise à moyen et à court terme. Donc, lorsqu'on parle du plan opérationnel, on parle du moyen et du court terme. Mais lorsqu'on parle du plan stratégique, on parle de long terme. Donc, le plan opérationnel précise à moyen et à court terme mais à la manière selon laquelle les objectifs stratégiques peuvent être atteints. Donc, la stratégie de l'organisation, c'est-à-dire la direction fixe des objectifs stratégiques. Mais pour atteindre ces objectifs stratégiques, il faut passer par euh, le plan opérationnel. Pour ce faire, c'est-à-dire pour réaliser ces objectifs stratégiques, on traduit l'objectif général, donc l'objectif général, c'est-à-dire l'objectif stratégique fixé par la direction en sous-objectifs. Les sous-objectifs concernent le plan opérationnel et on programme des actions, des actions euh, visant à chaque euh, visant chaque sous-objectif. Donc pour chaque ce objectif, il faut mettre en place des programmes d'action. Un programme d'action, c'est quoi un prog programme d'action C'est un, un plan à moyen et à court terme. Donc lorsqu'on parle de, de l'opération, c'est-à-dire on vise le moyen et le court terme à usage unique élaboré dans un but précis. Le budget. Le budget exprime en termes financiers. Donc, quand on parle du budget, c'est-à-dire le côté financier, les différentes composantes du plan, objectifs, politique et programme d'action. Donc, le budget exprime les différentes composantes du plan, c'est-à-dire l'objectif, les objectifs, la politique et le programme d'action. Enfin, un contrôle du plan doit être effectué. Donc, à la fin, il faut effectuer un contrôle pour vérifier si on si l'entreprise arrive à atteindre ses objectifs ou non pour euh, évaluer l'écart qui existe entre ce qu'on a euh, fixé au début comme objectif et ce qu'on a réalisé. À chaque étape du processus de planification, une évaluation doit être réalisée pour vérifier, par exemple, l'adaptation des ressources aux objectifs poursuivis. Donc, après chaque étape du processus de planification, il faut passer à l'évaluation, au contrôle, pour vérifier est-ce qu'il est qu y a une adaptation entre les ressources et les objectifs poursuivis ou non. Cette évaluation et euh, contrôle sont nécessaires pour la révision. Donc, pourquoi on va procéder à une euh, évaluation, à un contrôle Pour vérifier, pour réviser le plan, euh, pour rectifier le tir et sans faciliter euh, par le mécanisme de feedback. Donc, nous avons le feedback, c'est-à-dire la contre-réaction, information en retour c'est la rétroaction. Donc, cette évaluation et euh, contrôle sont nécessaires pour la révision du plan et sont facilités par le mécanisme de feedback, information au retour ou ce qu'on appelle la rétroaction. Quels sont les différents types de planification On distingue traditionnellement deux niveaux de planification. Donc, traditionnellement, nous avons deux niveaux. Nous avons le niveau stratégique et le niveau opérationnel. Donc, il y a des plan une planification stratégique qui concerne le top management qui concerne la direction générale et nous avons la planification opérationnelle qui concerne les managers et les leaders et les différents acteurs. On va commencer par la planification stratégique. Elle est apparue vers 1965 dans un contexte caractérisé par une croissance rapide, la mondialisation des marchés, l'évolution technologique, le développement de la concurrence internationale, la multiplication des interlocuteurs de l'entreprise et la rupture provoquée par, euh, par, une crise, par une crise pétrolière de 1973 qui est permis en cause. De la crédibilité des prévisions à long terme. On va revenir à la page 34. Donc, cette planification stratégique est apparue vers 1965, donc vers le, le milieu du XXe siècle, dans un contexte qui change. Donc, c'est un environnement changeant qui a été caractérisé par une croissance rapide. Donc, c'est la croissance rapide, donc euh, l'économie croit les, les, les inventions, les, le, la progression euh, croit de façon très rapide. Nous avons la mondialisation des marchés. Nous avons l'évolution technologique. Nous avons le développement de la concurrence internationale donc les entreprises se trouvent obligées d'affronter une concurrence acharnée. Nous avons la multiplication des interlocuteurs de l'entreprise et la rupture provoquée par une crise pétrolière de 1973 qui a remis en cause la crédibilité des prévisions à long terme. La planification stratégique est une séquence d'analyse et d'évolution permettant de formuler une stratégie délibérée, hein, nous avons délibéré, c'est-à-dire la liberté, et de préciser les moyens de la, de la déployer. Je répète, la planification stratégique est une séquence, donc c'est une étape d'analyse et d'évaluation qui va permettre de formuler une stratégie délibérée et de préciser les moyens de, euh, de la déployer. si le maintien permanent, c'est le maintien permanent d'une vision à l'avenir, constamment réalimentée par les nouvelles données sur l'environnement interne et externe. Donc, il ne faut pas que cette planification soit rigide. Donc, il faut la réalimenter par des données qui sont nouvelles, des données qu'on qu va prendre de, oh, en analysant l'environnement, que ce soit l'environnement interne de l'entreprise ou externe. Le plan stratégique couvre une période assez longue, donc on parle de long terme, qui va de 5 ans euh, jusqu'à... Euh, donc c'est plus de 5 ans. Il fixe les objectifs globaux, donc c'est l'objectif global de l'entreprise, cherche à positionner, cherche à positionner l'organisation par rapport à son environnement. La démarche de la planification stratégique se compose des étapes suivantes. Donc je répète, la, le plan stratégique couvre une période assez longue, plus de 5 ans en moyenne. Il fixe les objectifs globaux et cherche à positionner l'organisation par rapport à son environnement. La démarche de la planification stratégique se compose des étapes suivantes. Donc nous avons des étapes qui composent la planification stratégique. Il faut d'abord fixer les objectifs et les buts et euh, la mission de l'entreprise. Ça, c'est le, le point de départ. Fixer les objectifs et la mission de l'entreprise. Les buts sont les aspirations générales de la mission correspondant correspond au type de besoin satisfait. Savoir satisfaire. C'est la raison d'être de l'entreprise dans son environnement. Donc pourquoi on a euh, fait cette entreprise. Deuxième étape, faire un diagnostic stratégique de l'entreprise. Donc c'est le diagnostic, c'est-à-dire euh, l'analyse de l'environnement. Donc faire une, un diagnostic stratégique de l'entreprise qui consiste à euh, analyser le potentiel de l'entreprise, établir en termes de force et de faiblesse. Donc il faut... Savoir les points forts et les points faibles de l'entreprise. Faire l'inventaire de l'existant dans l'entreprise. Donc, il faut faire l'inventaire de l'actif, ce qui existe, ce que, ce que l'entreprise a est jugé de son efficacité est-ce que les moyens dont dispose l'entreprise est-ce qu'ils sont efficaces ou non il s'agit d'évaluer les capacités de l'entreprise est-ce que l'entreprise est capable de faire ce qu'il veut est-ce qu'il est est-ce qu'il est, est qu a les moyens qui va euh, lui permettre d'atteindre ses objectifs ou non donc qu'est-ce qu'on va qu'est-ce sont ces, ces, ces capacités de l'entreprise donc on parle de ressources matérielles de ressources humaines de ressources financières et de ressources en information et ses bases de compétitivité donc est-ce qu'il a un Potentiel compétitif ou non. Capacité à résister ou à faire face à la concurrence. Est-ce que l'entreprise peut faire face Est-ce qu'il peut résister à la concurrence ou non Base de compétitivité financière, commerciale, technique, organisationnelle. Et il faut d'abord analyser le dessin de l'entreprise. Dessin ici, c'est l'objectif qui tient compte à la fois de l'environnement externe. Perçu comme un lieu de contraintes et d'opportunités parce que l'environnement externe présente des contraintes et des opportunités. Et étudier des secteurs dans lesquels œuvre l'entreprise, donc il faut étudier le secteur, étudier du marché, de son potentiel, de ses difficultés, étudier des lois et des règlements, étudier la concurrence, ainsi de suite. Et des finalités de l'entreprise s'exprimant en termes de valeurs et d'aspirations. De tout, se traduisant par, de tout se traduisant par des manœuvres stratégiques. Comportement de décision typique résulte de choix stratégiques qui ont pour but de modifier les conditions euh, d'action. Troisième étape, c'est fixer les objectifs. Donc on a dit qu'il faut fixer les buts et la mission de l'entreprise. Faire un diagnostic stratégique de l'entreprise qui consiste à, en deux grandes étapes analyse, l'analyse du potentiel de l'entreprise et l'analyse du sein de l'entreprise. Troisième grande étape, c'est la fixation des objectifs. qui sont l'expression chiffrée Donc, les objectifs doivent être exprimés de façon chiffrée des lignes d'action à long terme de l'entreprise. Donc, il faut toujours euh, aller vers long terme. Ça, c'est la planification stratégique. Maintenant, on passe à la planification opérationnelle. La planification opér opérationnelle traduit les orientations stratégiques en programme. Donc, maintenant, c'est la traduction de ce qui est stratégique, les objectifs globaux de, de la direction générale en un programme d'action. Donc, c'est la planification opérationnelle, traduit les orientations stratégiques en programme exprimé à leur tour en budget. Hein, le budget, il faut toujours tenir en compte euh, du budget. Applicable par toutes les unités de l'entreprise. Donc, il faut que toutes les, entre, les unités d'entreprise entrent dans ce processus pour atteindre ces objectifs. Elle vise l'efficacité à court terme, donc on parle maintenant à court terme, dans l'utilisation des ressources de l'entreprise. Donc, il faut utiliser, il faut employer les ressources de l'entreprise, mais toujours en visant à le même objectif. Le plan opérationnel expose en détail. Hein, donc, dans le plan opérationnel, il y a les détails. Mais dans le plan euh, stratégique, donc, il y a des objectifs globaux. Maintenant, on passe aux détails. Comment parvenir aux objectifs généraux C'est-à-dire le comment maintenant. Il faut détailler, il faut donner la démarche à suivre pour atteindre ces objectifs généraux de l'organisation. Il couvre des périodes plus courtes. Pour établir et mettre en place un plan opérationnel, il importe de suivre les étapes suivantes. Voilà les étapes qu'il faut suivre pour établir et mettre en place un plan opérationnel. Il faut d'abord hiérarchiser les objectifs. Donc, passer par un travail d'hiérarchie. Hiérarchiser les objectifs, les objectifs les plus importants, et ainsi de suite. Du plan général au plus spécifique. Donc, on commence par le général et on va vers le spécifique. Moyen, du moyen terme au plus court terme. De façon à passer du niveau d'objectif stratégiques à un niveau technique, puis à l'opérationnel. Tactique, puis à l'opérationnel. Donc, c'est un travail d'hierarchie. Hiérarchiser les objectifs du plan général au plus spécifique. Du moyen terme au plus court terme. De façon à passer du niveau d'objectif stratégiques à un niveau tactique, puis à un niveau opérationnel. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, répartir les responsabilités. Maintenant, ça concerne les responsabilités, c'est-à-dire les managers. Depuis celles relatives aux supervisions générales de structure jusqu'au niveau de la réalisation les plus délimitées. Donc, il faut préciser les responsabilités. Depuis, le, le, c'est-à-dire les personnes qui seront responsables de la supervision générale et on va jusqu'aux responsables qui sont euh, responsables de la réalisation les plus élémentaires et les plus délimitées troisième étape localiser et déterminer la nature des liens d'interdépendance entre les parties du plan. Donc il faut trouver des liens entre ces parties du plan. pour. pour il ne faut pas que chaque unité travaille dans, dans son, son monde euh, isolé. Donc il faut trouver des liens d'interdépendance entre les différentes parties du plan, entre les structures, entre les sous-structures et entre les tâches. Donc il faut trouver un lien. Maintenant... Quatrième étape. Donc il faut répartir les tâches, hein, la répartition des tâches, depuis la supervision générale jusqu'à la procédure locale concrète. Cinquième étape. Il faut préciser la nature, la qualité et les conditions de disponibilité des moyens nécessaires à la réalisation des tâches et sous-tâches. Hein, donc il faut préciser la nature. Des, des, des moyens nécessaires la quantité de ces moyens nécessaires et la condition de disponibilité est ce qu'on va est ce que ces moyens nécessaires, est ce qu'ils sont disponibles est ce qu'ils seront toujours disponibles non quelle est la nature de ces moyens est ce qu'on va pas on va mettre en place des moyens techniques des moyens financiers des moyens financiers des moyens humains etc et la quantité c'est à dire là est-ce qu'on va par exemple allouer une grande somme d'argent etc le nombre de, de machines le nombre de d'employés de, etc maintenant la sixième étape il faut établir des programmes de travail maintenant on passe au travail pour chaque unité sous-unité jusqu'au poste individuel donc il faut bien délimiter et bien préciser euh, bien clarifier les euh, c'est-à-dire les tâches de chaque Unité de chaque structure, de chaque sous-unité et chaque poste de individuel. Ça, ce sont les six étapes de la planification ou de qui va permettre de mettre en place un plan opérationnel. Je répète hiérarchiser les objectifs, répartir les responsabilités, localiser et déterminer la nature des liens d'interdépendance qui existent entre les unités, euh, répartir les tâches, euh, préciser la nature, la quantité et les conditions de disponibilité des moyens nécessaires et établir des, établir des programmes de travail. Les deux types de planification, c'est-à-dire stratégique et opérationnelle, sont de plus en plus intégrés du fait de l'instabilité de l'environnement. Donc il faut à chaque fois intégrer, à chaque fois il faut vérifier, à chaque fois il faut alimenter euh, en, en, tenant compte, en tenant compte de l'instabilité de l'environnement. Maintenant, on est arrivé à quelques concepts qu'il faut définir dans ce chapitre. Nous avons le concept de planification, planification stratégique, planification opérationnelle, processus de planification, les menaces, les opportunités, les programmes, les buts, les missions, le diagnostic stratégique, le potentiel de l'entreprise, le dessin de l'entreprise, les choix stratégiques, les budgets et les objectifs. Maintenant, à la page 39, nous avons ici un document des raisons de planifier. Pourquoi on va planifier le pourquoi de la planification Est-ce qu'on va planifier juste pour planifier Donc, il faut planifier parce que l'environnement change constamment, parce qu'il y a une évolution dans l'environnement. Donc, c'est à cause de l'environnement évolutif. On va définir des normes pour faciliter le contrôle, suivre une direction, et limiter les pertes et les actions superflues et réduire l'impact des changements. Ce sont les objectifs. Donc, les managers se lancent dans la planification euh, pour atteindre quelques objectifs. Donc, je répète les objectifs. Donc, réduire l'impact des changements, limiter les pertes et les actions superflues, définir les normes pour faciliter le contrôle et suivre une direction. Ça, c'est un document tiré de Robbins et euh, De euh, Gabilité. Euh, donc, c'est le même ouvrage, la page 89. Maintenant, nous avons ici un texte à étudier qui s'intitule Organisation de, de la planification. Comment organiser la planification La mise en œuvre d'un processus de planification nécessite le support d'une infrastructure organisationnelle ainsi que la définition des rôles de chacun dans l'élaboration des plans. Donc il faut définir les rôles de chaque intervenant. Dans cette élaboration des plans, que ce soit stratégiques ou opérationnels. Un préalable, toutefois, consiste à s'assurer de l'engagement formel et actif des dirigeants. Donc, il faut s'assurer est-ce euh, que les dirigeants qu sont engagés euh, de façon formelle, de façon active ou non, tendant à favoriser la mobilisation de l'ensemble de l'organisation pour la mise en œuvre de ce processus. Cependant, l'engagement du dirigeant. Pourquoi donc on demande l'engagement du dirigeant Parce que l'engagement du dirigeant varie selon le type d'entreprise. Ainsi, dans les entreprises de petite taille, le dirigeant s'occupe aussi bien de l'élaboration que du suivi du plan. Donc, dans les, les petites entreprises. Le dirigeant, c'est celui qui s'occupe de l'élaboration et du contrôle du plan. Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, euh, l'appréhension par un seul individu de l'ensemble du processus devient insupportable. Donc, dans les, les moyens et les grandes entreprises, euh, un responsable, le dirigeant, pas, ne peut pas suivre seul euh, ce processus pour faire face à de telles difficultés, le recours à la division des tâches, donc il faut diviser les tâches parce que c'est énorme. à la délégation, donc, c'est la division des tâches, la délégation euh, à des unités de support, services fonctionnels, donc on va voir des services fonctionnels ou de coordination. la coordination comité devient obligatoire. donc il faut répartir les tâches, il faut déléguer euh, quelques tâches. De l'entrepreneur solitaire, si nous avons un entrepreneur qui est seul, euh, centralisant l'ensemble de l'information, qui, qui centralise l'information et prenant toutes les décisions, c'est lui seul qui, qui fait tout, euh, le dirigeant doit se transformer en un véritable coordinateur orienté vers le long terme et déléguant à ses collaborateurs l'ensemble des détails opérationnels. Avec la complexité croissante de l'organisation, le dirigeant doit consacrer une part de plus en plus importante à la planification. Donc, le dirigeant doit consacrer plus de temps à la planification. Une fois les plans établis, donc c'est après l'établissement les, les, des plans qui va, qui va les évaluer, donc euh, qui, est, euh, qui est habilité à évaluer, à évaluer ce, ce plan. Est-ce le responsable du service de planification, le dirigeant ou l'opérationnel qui les met en œuvre Donc, Qui va euh, évaluer Est-ce que c'est le responsable du service de planification Est-ce que c'est celui qui a mis en place ce plan La réponse est simple. Celui qui évalue c est et celui qui, à la fois, peut mettre en œuvre une action corrective rapide. Donc, celui qui va évaluer, donc il faut qu'il sache à mettre en place des actions correctives et qui, ra qui sont rapides pour, pour faire des interventions rapides afin de faire face à la situation et qui concerne un pouvoir hiérarchique sur l'évalué. Donc, celui qui va évaluer doit avoir un pouvoir hiérarchique sur l'évalué. Il n'est pas non plus souhaitable que le planificateur soit aussi l'évaluateur. Donc, il faut éviter ce problème-là. Donc l'évaluateur ne doit pas être le planificateur, parce que si, si c'était la même personne qui, qui planifie et qui va évaluer ce qui a planifié, ce, qui, ce qui a déjà planifié, donc euh, ça sera euh, un problème. Il y aura une interférence entre les, les deux tâches. Dans la mesure où une dualité des fonctions pourrait porter préjudice à l'impartialité, donc on, aura, on sera euh, face euh, à un problème d'impartialité. De la tâche de planification. Le dirigeant doit également veiller à ce que les décisions soient prises conformément au plan, sans toutefois imposer un véritable carcan. L'influence d'éléments conjoncturels, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec l'environnement, doit être prise en considération lors de l'évaluation et ainsi permettre permettre aux dirigeants d'assumer dans la prise de décision ses responsabilités véritables, mettant le plan à sa place réelle de guide d'action. Les formes d'organisation de la planification diffèrent selon le style de direction. Selon le style adopté, l'élaboration des plans sera faite de manière plus ou moins centralisée. La structure concerne un même type d'influence. Ainsi, une entreprise de structure décentralisée connaîtra un processus de planification très concentré. La conjoncture influe également sur la planification et par conséquent sur son organisation. Dans un environnement incertain, la planification sera moins précise et fondée sur plusieurs scénarios. Dans un environnement stable, en revanche, un plan unique et détaillé sera de rigueur. Parmi les autres éléments qui influencent la planification se trouvent la taille, le degré de maturité, la diversité des activités de l'entreprise. La prise en compte de tous ces facteurs requiert la présence d'individus particulièrement qualifiés et souvent difficiles à trouver. Selon Warren, le responsable de la planification doit être un homme qui soit à la fois un philosophe et un réaliste. Un théoricien et un politicien pragmatique, un devin et un vendeur, et qu'il soit aussi capable de marcher sur l'eau. Ce dilemme est d'autant plus difficile à résoudre qu'il est impossible de donner un profil type de cet individu ou, de ce, de, ou du service qu'il représente. En effet, les services de planification peuvent se réduire parfois à un seul individu qui assume ce rôle en plus d'autres activités, ou comprendre jusqu'à jusqu 200 personnes et même plus. La planification ne peut ni euh, tout résoudre, ni être un gage de succès. Toutefois, elle permet, permet d'imaginer, de représenter l'évolution de l'entreprise, facilitant l'identification des risques auxquels il peut être confronté. Ainsi que les opportunités qui se présentent à elles. C'est aussi un cadre général de réflexion, un guide de décision permettant à chaque membre de l'entreprise d'effectuer des choix par rapport à un tout cohérent. Ce cadre général également fixe les normes d'un le langage commun, empêchant les risques de distorsion de l'information et rendant plus aisée la mise en œuvre des décisions. Il ne faut cependant euh, pas minorer les limites, et les limites de la planification. Parmi elles se trouvent la fiabilité parfois douteuse des prévisions, la longueur du processus et la difficulté de sa mise en œuvre, son coût de préparation et de fonctionnement, la résistance des hommes à son introduction. Mais ces difficultés, qui sont des limites errant à tout processus de gestion, ne doivent pas faire oublier les avantages substantiels que la planification apporte au management moderne des organisations en tant que source de réflexion et d'action. C'est un texte tiré de l'ouvrage qui s'intitule Le Management, Presse universitaire de France, euh, publié par ITAR. Maintenant, on va, euh, on est arrivé à quelques questions de l'auto-évaluation et le thème de réflexion du second chapitre. Dans quel contexte s'est développée la planification stratégique Maintenant, c'est une question qui concerne le contexte, c'est-à-dire développement technologique, la crise pétrolière, euh, la concurrence, la mondialisation, ainsi de suite. Quelles sont les différentes euh, quelles sont les différences essentielles entre planification stratégique et planification opérationnelle Donc on a dit stratégique, ça concerne le long terme, ça concerne la direction générale, ça concerne les objectifs globaux. Par contre, la planification opérationnelle concerne le manager, c'est à court et à moyen terme, ça concerne les, les, les objectifs spécifiques, etc. En quoi le contrôle devient-il un Corollaire, corollaire c'est quelque chose qui est nécessaire. nécessaire à la planification. Donc il faut donner des, des arguments pour, euh, à, pour justifier la réponse. Décrivez les étapes du processus de planification parce qu'on a, a dit que dans le processus de planification il y a un certain nombre d'étapes, donc peut-être en nombre de six. Qu'est-ce qu'un diagnostic stratégique Donc il faut diagnostiquer, il faut analyser l'environnement externe et interne et comment l'organisation peut-il peut le réaliser présenter les avantages et les limites de la planification parce que puisqu'il y a des avantages il y a aussi des limites on a dit que va créer une certaine rigidité ainsi se termine ce chapitre qui portait sur la planification le prochain chapitre va porter sur l'organisation et merci